Bonjour les fines bouches. Dans la vidéo du jour, je fais un petit clin d'œil à mes trois filles, que j'aime par-dessus tout. Et je vais leur dire, vous vous rappelez, Anglard de Salers, des vacances dans cette ferme où on se faisait des truffades à s'en faire péter le bide. Et bien aujourd'hui, on va faire la truffade auvergnate pour vous. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser une truffade auvergnate? On a besoin de pommes de terre, on a besoin de tomes du Cantal fraîches, si possible, on a besoin d'un peu de beurre, d'un peu d'huile, un petit peu de persil, 3 gousses d'ail, et pour accompagner le plat à la fin, un petit peu de jambon d'Auvergne. Comment on procède? Eh bien, allons-y. Pour commencer, on va prendre les pommes de terre, les éplucher, les laver, et après, soit à l'aide d'une mandoline, soit au couteau, faire des tranches d'à peu près 3 à 5 mille. On va prendre une cocotte dans laquelle on met du beurre, 20 grammes, 25 grammes, un petit peu d'huile pour éviter que ça crame, on met à feu vif et on va mettre directement les pommes de terre dedans, à feu vif, comme je vous dis, pendant 10 minutes pour essayer de les faire un petit peu dorer. On y met un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Pendant ce temps-là, je vais prendre la tome et je vais la couper, vous voyez, en fines lamelles comme ça, et la réserver pour tout à l'heure, vous comprendrez. Donc on se revoit dans quelques minutes, une dizaine, une fois que ces pommes de terre auront un petit peu doré. A tout de suite. Alors les fines bouches, donc ça fait 10 minutes que j'ai mis les pommes de terre à sauter, là, dans le beurre et l'huile. Là, vous voyez, ça commence. Alors évidemment, toutes les faces ne sont pas dorées, ça n'arrivera jamais, sauf si elles sont toutes trop cuites. Mais il y a beaucoup de faces bien dorées, il y en a encore quelques-unes de collées. Maintenant, on va prendre à peu près 25-30 g de beurre qu'on va remettre dedans. La cuisine, le beurre, c'est bon. On mélange un petit peu. On met à feu doux, et on va couvrir pendant, on va laisser ça pendant 15 minutes. Donc on se revoit dans 15 minutes pour l'avant-dernière phase. A tout de suite. Les fines bouches, pendant que ça cuisait, j'ai haché les trois os, et donc là, il y a eu le temps de cuisson de 15 minutes. Je découvre. Là, on va rajouter l'ail. On mélange bien. Oh. C'est saveur. On va ajuster un petit peu en sel et en poivre. Pas trop de sel parce que, comme derrière, il y a du fromage qui arrive. Fromage toujours un peu salé, donc. Voilà. On recouvre pour 5 minutes. Toujours à feu doux. Et dans 5 minutes, on va se revoir et on va déposer le fromage dessus pour créer la truffade. Alors, patientez encore quelques instants. Hein? Je dis à tout le monde ici dans cette pièce de patienter encore quelques instants. A tout de suite. On a faim! Depuis 5 minutes, l'ail a eu le temps de se marier avec la pomme de terre et le beurre. Et là, on ouvre et on va y mettre dessus le fromage et on va gentiment remuer tout ça et laisser
au fromage le temps de fondre jusqu'à ce que résultat de truffade obtenu. Je couvre une petite seconde pour que la chaleur vienne bien entourer les morceaux de fromage. Voilà. Vous voyez, ça commence à faire des petits fils. La truffade est terminée. Nous allons donc maintenant la dresser, en dresser une portion. Je vais prendre l'écumoire et regardez-moi ça. Dessus, pour la déco et pour le goût, un petit peu de persil. On a mis de l'ail, persil, persil-ail. Et on agrémente de jambon d'Auvergne. Alors, 2, 3, 4 tranches. Ça, c'est pour Gilbert, tout 4 tranches. Hein. Voilà. Truffade, jambon d'Auvergne. Anglars ou Salers, Mauriac, tous les amis cantaliens, je pense à vous, la bise. Et les filles, on se régale. Voilà les fines bouches. L'Auvergne a mis son jambon, sa pomme de terre et son fromage dans ce plat qui est réellement délicieux. D'autres régions, toutes les régions, ont de la pomme de terre, du fromage et du jambon. Ils ont d'autres manières de le cuisiner. Nous le verrons prochainement. En attendant, un bisou à mes filles. Prenez vos couteaux, prenez vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?